T'as le vrai fun tour. Oui, mais bon, ça va. Ah, mais d'ici là, t'as le temps d'avoir le temps de trouver. Ben, on m'en veut pas revenir vous voir, on va en faire un tour. Allez, tout à l'heure. Oui, ce soir. Oh, ouais. Salut les stations fréquences, allez, conscient 1351, vous de la part de Daddy 33 et bonne journée. Salut la station, tout en retournée. Merci beaucoup, il fait un peu frais ce matin, là. Il y a un petit 4 degrés là, je suis sur le pont d'Aquitaine. Ah ok, ben nous on est carrément en bas et là, il fait pas chaud. Ah ça, je veux bien le croire, oui. C'est bon, c'est la pire, moi. Ouais, paraît-il. Vivement l'été, quand même, hein. Ah, je chie trois coups. Ok, allez, bonne journée. Est-ce que t'as les bons numéros de téléphone aussi? Il y en a deux en plus. C'est tranquille, tous les camions ils sont dans le voyage et comme ça. Et dès qu'ils arrivent samedi, il faut qu'ils s'occupent quelqu'un des camions. Et lui, il bosse samedi pour qu'ils s'occupent, pour qu'ils marchent, pour que lundi matin, ils démarrent le camion. C'est sûr, oui. Si tu bricoles toute la semaine, tout de copains et comme ça, bien sûr, samedi, tu as envie de faire quelque chose, non? Ben oui, quand même. Mais c'est lui qui travaille au garage, le patron, là, Arnaud. C'est lui qui est mécanicien dans le garage. Oh, c'est pas lui, c'est... Il y en a un mécano. Ah, lui, il aide simplement. Lui, il aide simplement. Bon, maintenant, il y en a pour chauffeur qui vient, qui pose le camion et il s'en va. Tu sais, même pas, il lave, même pas, il regarde le niveau de l'huile. Je parlais un peu avec le mécano de... C'est très gentil le mécano, à son mécano, chez Arnaud. Il m'a dit, bon, il vient, il pose, il s'en va. Et puis, il faut le contrôler. C'est arrivé plusieurs fois qu'il à Limoges là-bas, il s'allumait le voyant qu'il n'y a plus de huile, comme ça. Ouais, là, c'est pas trop sérieux, là. L'autre semaine, il a foutu trois magnétoscopiques, je ne sais pas, il a poussé quelque chose, tous les trois magnétoscopiques, il a foutu trois magnétoscopiques. Bon, il a tenté un tour. Je ne sais pas ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a poussé. Trois magnétoscopiques cassé. Oui, il a je ne sais pas comment ça a passé. Je suis un peu comme ça, on est. Les gens ils sont venus dans le ciel de la voie de plaisir, ils étaient pas bons, ils étaient pas bons de venir pour m'en passer une demande d'intention. Ils étaient pas bons de venir. 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 Ils étaient
comme je suis chargé, je suis obligé d'être presque au milieu de la route pour éviter de passer trop de temps. Bon, on passe bien, on ne pas, moi je veux pas changer, la mienne va très bien. Comme par rapport à mon cas, je suis avec tout, bon, la mienne, ben, elle a 80 ans peut-être, mais pour si je mets du poids dessus, elle arrive à relever la suspension. Jean-Pierre, lui, il a, le moteur, il n'aime rien du tout. Ben, moi, elle va très bien. Hein. Ça fait maintenant quelques années que je l'ai et je roule très bien avec. Et tu vois, je pourrais lui faire un coup de front parce que dessus, ça ne ferait pas de mal. Mais après, le reste, voilà. C'est pas grave qu'il reste comme ça. Hein. Et... Thank you.
Yeah.
plus bon radio qu'il y a, tu vois pareil. Meilleur en cavale, je lui ai dit hier, t'as dit map. Si tu vois, ça m'implique, et puis là c'est pratiquement la tête, ça m'implique, ok. Por la ciudad de Bordeaux, por Francia,
compagnie de Olivier pour la 74 division, la ciudad d'Ajaccio. C'était DT51, microphone para ustedes. Acalé, circuito Dinamarca, Dinamarca. Buenos días. Por este lado nos correrá Alfredo Pistolero, Michoacán, México, Dinamarca. Buenos días. Ok, Alfredo, 7351. ¿Cuál es tu coche allá, por favor? Su país, Alfredo, cambio. El país, la ciudad se llama Tejanillo. El país es México. México. Adelante, Dinamarca. Ok, por México. Ok, 7351, su señal por aquí es muy importante, su radio también. No sé, su colega que está por aquí conmigo lo entiende. Me voy a cambiar los micrófonos. Un momentito, Alfredo. Olivier, ¿es que estoy copiando Alfredo o son mexicanos? Sí, Alfredo, 61-61, aquí 104, el canal 104, para la isla de Costa. Es el número 8, Santiago. Alfredo, o colega, quiere saber cuál era su señal, el señal de un colega que está aquí hablando conmigo, quiere saber cómo usted lo está, cómo está llegando por ahí por México, su señal. Alfredo, cambio. Hasta ahí, disculpe, mira, tú me estás llegando con 5 por este ladito ahí que me habla él, a ver con cuánto me llega él adelante. Ok, ¿y cómo está llegando por ahí un colega que está por la costa? Que tú me estás llegando con 5, di ahí que me hablen para ver con cuánto me está llegando Lila y él. Ok, se dicen que crecer, momento, por favor, crecer, Olivier. Ok, bueno, gracias, señor, te dicen cuenta. A ver, hace un matice. Ok, Alfredo, 7351, buena continuación por la frecuencia. Por aquí nosotros tenemos un poco de problemas para hablar español. Muchas gracias, Alfredo. Buenas tardes para ustedes. ¿Dónde ir, Alfredo? 73, bye bye. Hasta luego, cuando no me voy a confiar muy bien. Estoy entendiendo bien, pero no hay ningún problema. A mí, por favor, la parte bonita ya sale. Ok, Olivier, bon, je lui ai dit que pour l'espagnol, ça n'y arrive pas trop, comme ça, c'est une façon gentille et délicate de s'en débarrasser, Clésar. Ah oui, Cléric, c'est une espèce d'abruti là, qui me rentre encore à 8-9 avec la moustache, putain, c'est pas possible. Ouais, lui, par contre, moi, je l'écoutais entre 9 et 9 plus là. Tout à l'heure. Hein. Je serais curieux d'avoir d'autres stations dans la 14 dans le QSO là, pour comparer par rapport à toi. Là. Je serais curieux là, de voir comment ça passe par rapport aux OM de la 14. Mais pour l'instant, dans la 14, les maximums de signaux que j'ai eu, ça a été du 5-6 tout à l'heure avec la station du Nord qui était à 4-5 là. Et c'est bizarre, que ça m'a l'air d'arriver ici plus fort que la 14. Okay. Ouais, j'ai beaucoup de moustaches là. Et puis, si, Mexico, 7351, aquí, Europe, Francia, por aquí,